Donc, nous sommes ici en direct, votre émission Dernier Virage. Nous avons reçu un appel de la Suisse. Alors, nous allons entretenir avec un compatriote à partir de la Suisse. Bonsoir d'abord, notre compatriote. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, donc, d'abord, si vous pouvez vous présenter d'abord avant de commencer. Comment... Oui, donc, je me présente Bailly Monakebe. Oui. Je réside en Suisse et avec toute ma famille. Je suis compatriote congolais zaïrois. Oui. Et je suis né à l'Aïr, tout à fait. Et c'est un peu ça. Voilà, oui. Donc, vous êtes combattant ou vous n'êtes pas combattant? Est-ce que vous faites partie d'un parti politique ou vous suivez l'actualité politique et des lois? Non, je ne fais pas partie d'un parti politique. Oui. Je suis un combattant. Oui. Je ne suis pas devenu un combattant. Juste, je me suis réveillé un bon matin pour devenir combattant. Oui. Non, c'est pas du tout ça. Mon père a travaillé en tant que général dans l'armée, force armée taïwanaise. Mmh. Et par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas aimé ce qui se passait en fait avec le maréchal, donc il a préféré aller travailler avec Monsieur Tshisekedi, oui. Le père. Oui, oui. Et c'est en ces moments-là qu'il a commencé à avoir des problèmes. Et c'est par la suite que nous sommes arrivés en Suisse parce que ça n'allait plus pour lui et toute la famille. Okay. Donc ça fait quand même un moment. Oui. Ça, c'est bien. Alors, ça, si vous nous appelez, c'est pour réagir par rapport à l'émission que j'ai réalisée hier avec Bokechu. Donc, vous voulez réagir par rapport à cette émission. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette émission? Ah, d'accord. Donc, le fait est que... Comment je pourrais le dire? Donc, Ezali Kamumoko Oyo, Lelo Oyo, Bokechu. Que et c'est pénible ça partout. Il y a quoi que certaines divisions mokoboui et koki kozala. Surtout, c'est un cadeau offert à la majorité. Oui. Quand je parle de la majorité, ça, oh ya bango kuna, un nègre va bien peindre na kaba majorité na bango. Et en 2006, 2011, on a laissé faire. Il y a eu certaines choses qui se sont passées sur YouTube qui ne sont pas possibles. La crainte en est que est bandée la liste sur le jour d'aujourd'hui. Mmh. Donc, là, c'est un peu ça. Là, vous faites allusion à quel événement là? Vous faites allusion à quoi? Pardon? Vous faites allusion à quel événement, à quelle situation qui s'est passée? Ah, d'accord. C'est l'événement. Si je vous suis. Donc, vous avez eu à voir M. Bokechu. Oui. Que vous avez reçu dans votre émission. En fait, oui, oui. Dernièrement. Je pense que c'était hier ou aujourd'hui. C'était hier, oui. Ah, d'accord. Parce que moi, je l'ai suivi aujourd'hui. Pas et hier, bien. j'avais déjà suivi une émission sur un monsieur. Plus politisé qu'autre chose, quoi. Avec ces messieurs, c'était beaucoup plus politique. Mais la façon de dire les choses, c'est ça qui a été vachement beaucoup plus choquant, en fait. Je vais en venir. J'en viens au sujet pour dire que. Oui. Allô. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui. Mais il y a eu certaines choses qui ne peuvent plus être admissibles. C'est bien le bien vrai que le jour d'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec l'élection. Il y a de ceux-là qui se sont dit, faites attention avec la personne au nom de Kabila, soi-disant Kabila, eux que Azamutumoko Azanamitumi Balé, quand vous allez aller avec lui, on ne sait pas à quoi s'attendre avec ces messieurs. Mais le jour d'aujourd'hui,
naïe, une machine à tricher, quoi. Mais tout le monde le sait. Mais il y a une manière à laquelle mon frère, qui est, je pense, en Belgique, qui réside en Belgique. Oui. Pour commencer à crier sur certaines personnes qui sont des autorités déjà de l'opposition. De l'opposition, s'il vous plaît. Et ces gens-là se battent comme lui, il se bat, comme d'autres Congolais de la diaspora se battent pour ce pays qu'on appelle le Congo Zaïre. Ce qui est le Bango Bakita qui est à la mèche de Bemba, est à la mèche de Tshisekedi, est à la Yé Katumbi. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont descendus juste comme ça. Ils ont certaines responsabilités sur leur tête, très cher monsieur. Le jour d'aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire de bouchoba, comme on dit. Mais comment notre compatriote peut passer pour commencer à modifier certaines choses? Le coup la soki qui batoua la bazali maëli, le coup la soki qui batoua la bazali ma famille na bagoté. Nous avons eu ça ici en 2006, nous avons eu ça en 2011. Comment ces messieurs Bokechou a voulu discréditer, excusez-moi, monsieur Etienne Tshisekedi. Il est même allé jusqu'à l'insulter. Si je ne me trompe, tout reste sur YouTube. Hein. N'oublions pas. N'oublions pas. Tout reste sur YouTube. Il ne va pas encore recommencer aujourd'hui pour dire que certains de l'opposition se sont des vendus. Etienne, c'est un vendu. Bemba, c'est un vendu. Mais alors, en ce moment-là, ceux qui m'ont dit que va vendu, mes chiffres, soyons sérieux. Je n'ai pas eu de béni, je n'ai pas eu de béni. Parce que l'occupation est allée. Les gens qui ont l'occupation, ils ont mis les sous. Oui, nous sommes occupés. Qui ne le sait pas? Oui, ceux qui m'ont dit que Midou qui a mon dingue, bagangi. Pourquoi baso kendete pour la coupe à Midouki? Alors, arrêtons un peu certaines choses pour essayer de calomnier les autres et tout. Essayons de nous donner la main pour que Oyo Bazakuna Bandimba Kinde. Pour moi, je suis de ceux-là qui n'acceptaient pas que Bango Bakinde Kuna composé Bakinde. C'est-à-dire Nabango. Mais maintenant que c'est fait, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? On tourne le dos? On tourne le dos? Parce que nous sommes soi-disant dans l'occupation? Yé à Liembongo, oui. Yé à Liakimbo, yé à Zalaki, à Monaki. Mais peut-être que ça amuse la galerie à certaines personnes. Baso Seka, Baso Komabi, Komela et tout. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Ça ne m'amuse pas du tout. Moi, j'ai bel et bien passé 26 ans ici en Suisse. Mais le jour d'aujourd'hui, quand je vois mon pays, l'état où mon pays est, personne ne peut être content avec ça. Je vois mes amis blancs ici. Ah, qu'est-ce qui se passe chez toi et tout? Ah, comment? Mais ce n'est pas possible ce qui se passe chez toi. Et les autres pour en rire et les autres pour en pleurer. Ça fait combien de temps que nous luttons ici? Aujourd'hui, tout le monde dit oui, Félix, ça s'est invendu. Tout le monde dit ouais, Bemba avait dit comme quoi j'ai accepté l'inacceptable. Oui, allez bien, moi, attends, Kolo. Et yé, moi, quoi, yé, bine, yé, ni, à cause, comment je peux dire ça? Oui, comment il va se racheter? Comment il va se racheter par rapport à la bêtise qu'il avait fait? Katumbi a fait la même bêtise, aller manger avec le criminel. Il s'est rendu compte. Mais l'entourage de Katumbi, celui-là, là, Ndéli Bazo Bengaye, c'est lui qui avait aussi mangé avec le criminel. Olivier Kamitat. Francis Kalom. Oui, exactement. Bien. Soit vous venez avec nous, soit vous allez payer le plus cher. Et ils ont compris. Ils
que le journaliste, je vais vous dire un truc. Hein. Oui. Nous, ici en Suisse, nous, nous nous battons. Mais tout le monde, c'est vraiment là-bas, YouTube, là-bas, WhatsApp. Hein? Tant que vous mettez à Yagawa, qu'on bat à Mawa, là-bas, hôtel, tout là, il y a 15 heures. La dernière fois, ma bimisa est à la porte, il y a Chib. Quelle honte! Quand Katumbi venait ici, quand il était encore avec l'autre, là, le criminel, il venait ici avec son équipe de Mazembe. Moi, j'ai eu mes grands frères, mes grands cousins qui sont allés là-bas. Mais il fallait voir la manière dont ils avaient pris la poudre d'escampette. Pourquoi nous cherchons toujours à rabaisser ceux-là que le jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire, ok, allez-y, nous serons... derrière vous, sans insulter, sans calomnier, sans rabaisser, parce que tout c'est là, monsieur le journaliste. Oui. Ça, ils ont porté biseau, ils ont ça là, comment dire, ils ont ça là, quand la majorité, nous, à faire un travail pour le aller foutre la tisanie, parce que déjà, t'as là. Mais moi aussi, je peux dire de la même chose par rapport à ces messieurs des Suédois, des Boketchou premiers. Parce que tant que la majorité, que ce soit en Suisse, là où je suis, en France, en Angleterre, ou à Bruxelles, mais ce sont les mêmes combattants qui vont manger avec eux. Qui tu peux dire bonjour? Voilà. De peur que sa portion de poisson a eu à Kitoko. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu de rabaisser ceux de l'opposition. Sauf que l'Ikambouezali vient mettre sur la table. Nous cas solution. Pessa y a une solution. Batouana, Bazana, Banana, Bango, Batatana. Et quand ces messieurs disent les autres se sont défendus, moi ça m'intéresse même pas à dire que ce sont des tribalistes ou quoi. Moi mon père c'est un Moulouba et j'en suis fier. Ma mère elle est Mungala et j'en suis fier. Alors ces histoires là des tribalistes et tout, moi ça me fait ni chaud ni froid. Mais là où je ne peux jamais être d'accord, c'est de rabaisser cela de l'opposition. De l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, ne nous trompons pas, hein. Bango wana bazomi benga na ko. Après la problème avec la bango, baya ka ko étaler en bobo été, ou bien tout le monde a gâté que, mais oh, mais excusez-moi, dites à votre monsieur là, des Suédois, des Sundama. Mais là, vous rabaissez aussi, là. Donc là, vous tombez dans un piège. Vous commencez aussi à rabaisser, le langage que vous utilisez n'est pas aussi propice. Je comprends très bien. Oui. Mais c'est choquant. Mais comme lui aussi, il était choqué. C'est mon frère. C'est mon frère. Il était choqué par rapport à quoi, monsieur le joueur? Non, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que... Le problème avec l'opposition congolaise, depuis des années, Bazali Kola s'appelle moi frébilité beaucoup. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont un peu naïfs. Bazali Kola, la situation n'est pas qu'aux alatés. C'est ça colère à combattre. Il y a un langage également. C'est-à-dire qu'il faut faire passer un message très fort pour la qui c'est effectivement que Bazana peuple et que Balingi sous ce régime. Mais c'est comme si Bazana la politique moko il y a trompé à Batou pour la poche na bango moko. Ils ont pour l'intérêt à peuple. C'est pourquoi on les appelle Kanda. C'est par rapport à cela. Ça, il faut quand même comprendre. Oui. Sans vous couper la parole, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la manière de dire la chose. C'est la manière d'expliquer la chose. Tu ne peux pas venir. Mais la manière dont vous m'expliquez la chose. Naïl Lelo n'a pas besoin de la canne. Mais quand on a eu le bâtiment, on a mis tout bas, on a couru. Bah, Ebi, Félix, ça fait la pisse, on a poto. Ah, Ebi, bien que non. Nassimanana, il y a un bataillon. Si la moindre connerie que je vais faire, c'est mal barré pour moi. Il n'est pas aussi stupide que ça.
Ils ne sont pas aussi stupides que ça. Mais la manière, c'est la manière, la façon de les dire. Bon. Écoutez, vous m'avez condamné parce que je ne l'ai pas traité. Mais il est bien, il était bien chanteur des chaudes des bouquets, je vous prie. Non, mais vous parlez en termes un peu péjoratifs, là, hein, quand vous dites danser à pêcher des choses, c'est comme si vous rabaissez la personne. C'est pourquoi j'ai dit vous tombez dans son piège également. Ah, ben voilà là où nous arrivons. Ouais. Voilà là où nous arrivons. Parce que le jour d'aujourd'hui, lui, il peut calomnier. Mais imaginez-vous qu'on le, qu'on le fasse de calomnie. Mais je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là. Moi, j'ai toujours dit, si, je ne suis pas de ceux-là qui vont dire je suis de l'IDP ou je suis des MLC ou je ne sais pas moi trop de quoi. Non. S'il fallait être quelque chose, je serais un Tshisekédiste. Parce que ce monsieur, avant de mourir, il a toujours crié haut et fort. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Oya lingi lit ya kimia akini lit ya kimia. Oya lingi lit ya mitoki asimbi mitoki. Oya lingi lit na ye ya denge na ye. Lele ko se peli sa bana ya mishi buke chute ke. Ayo kake bazo bana bazo finga tata na bango bako se pelate. Ou bien bazo lombe la tata bango patata na bango mabe bako se pelate. Mais quand on fait la politique, monsieur, tout le monde va insulter. On peut peut-être mettre à côté des insultes. Mais ce qu'on a la politique, tout le monde a l'autorité. Je crois qu'il faut s'attendre à la critique. Tout le monde amène la France Awa, le président. La nation, le président. Tout le monde a le président Macron, par exemple. Tout le monde a le peuple qui a interpellé. Et puis, il y a qui dit qu'on a même tomate de longue. C'est-à-dire que quand on est devant, c'est-à-dire qu'on a la politique pour l'emboca, il y a qu'on a la bataille de tout bord. Ben, insulte de tout le monde. Mais ce qui a le langage, c'est assez cru. Bino boy, mais il n'a pas insulté non plus. Hein. Donc, je ne vois pas les insultes dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a utilisé la langage assez dur pour faire passer son message. Donc, trop long, là, insulte, parce que ça, insulte, c'était. Ce comme qu'on finit à Moutouli Moumnaï, Moutounaï, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, j'enlève tout ça là. Mais ce cas-là, le langage, moi, assez cru. Ça, c'est pas mauvais. Messieurs les journalistes. Oui. Messieurs les journalistes. Oui. Écoutez, juste comme ça, en passant. Que vous avez mangé avec un traître. Oui. Ou quand on vous dit que vous avez reçu de l'argent sous table, n'est-ce pas là que c'était un insulte? Non, ça peut être non. Ça peut être, comment dirais-je, une calomnie. Hein? Donc, ça c'est autre chose. Mais c'est pas une insulte. C'est pas. Oui. Mais c'est pas une insulte. Si je vous dis que vous avez reçu de l'argent de la part de Kabila, je ne vous ai pas insulté. Peut-être dans le but mensonge. Mais je ne vous ai pas insulté. Mais c'est journaliste. Oui. C'est même beaucoup pire. Moi, je préfère qu'on me dise que non, j'ai mangé. J'ai mangé avec un traître. Oui. Que je soudoyais tout un peuple. Vous voyez? Que je trompais tout un peuple. Ah non! Vous ne savez pas comment ça peut faire mal. Mais vous avez parlé tantôt de Macron. Oui. Ou de Trump. Oui, des trompes, tout ça, on voit. Hein. Oui. Ils sont pas tendres. Quand ils se disputent entre eux, ils ne sont pas tendres. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas des insultes. Mais quand ils disent des choses, ce sont des choses vraies. Tant que ce n'est pas vrai, ils ont tout à fait le droit d'aller porter plainte à la personne. Voilà. Ça, c'est calomnie. Ils ont tout à fait le droit d'aller porter plainte à la personne. Est-ce que toi, tu as vu ce monsieur prendre l'argent sous table? Non. Est-ce que vous avez vu ce monsieur faire ce fixe-là? Non. Mais pourquoi vous le dites? Ça peut tuer une nation. Ça peut bouger une nation. Parce que, ne nous trompons pas, le jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont vachement fortes par rapport à ça, dans leur tête. Parce qu'ils ont commencé la lutte bien, beaucoup bien plus tôt. Mais, oh, il va outi Kobanda. Ils se disent quoi? Ah, bango n'y a pas de la caca kandenge moko. Ah, bango wana kaka boy. C'est pas avec ça que nous allons avancer, très cher journaliste. Non, nazo le bango tete boye pour, comment dire, pour les calomnier ou pour. Non,
Et ça, c'est qu'il y a été. Et moi-même, je en fais partie. Ce qui est comme Wesali à Konoba, oui, j'appelle monsieur le journaliste, monsieur Alimia. Oui, je peux appeler d'autres journalistes. Mais je pose le problème sur table. On en discute. Mais si on peut conclure aussi, parce que je vois que là, on a déjà plus de 20 minutes. Si, en fait, Nabi, il y a une proposition pour mes amis. Peut-être, bon, Nabi, pour conclure, pour toi, quelle est la proposition pour que la situation soit bien? En tout cas, pour Nangaï, conclusion Nangaï, Bitoumbeza Makati. Papa Nangaï, Bitoumbeza Makati. Et puis, Bitoumba Oyo, tout ça, quand on a monté. Parce que Lelo Oyo, oui, Bango Oyo, Baza en tête. Parce que moi, je prends plus le poids lourd. Ce n'est ni fini, ce n'est pas encore fini pour Bemba. Ce n'est pas encore fini pour Katumbi. Ce n'est pas encore fini pour Tshisekedi. Pour Félix. Mais le jour d'aujourd'hui, ce qui va l'ingi va kende, va éditi nani ni bazo kende. Oui, au début, je n'étais pas d'accord avec eux. Et il y a toujours une crainte à avoir. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours une crainte à avoir avec ces messieurs-là qui ont le pouvoir. Mais, bazan la maïe, la bango va l'ingi va sale la yi. Ceux qui ont lobby machine à voter, parce que nous n'avons pas entendu là où Tshisekedi Félix a dit que non, à côté de la machine à voter. Moi, j'ai plus entendu, il a dit, de quoi qu'il y ait 100 machines à voter. Il faut pas me dire, c'est une astuce, total à tata, voilà, et c'est qu'il y a une ligne, de quoi qu'il y ait une ligne. Ben, ceux qui ont lobby machine à voter, puis qu'il y a une lobby machine à voter, ben, en ce moment-là, il n'y aura pas de transition. En ce moment-là, il faudrait chercher un moyen. Moi, je ne suis pas de ceux qui prennent la non-violence. Moi, je suis de ceux qui prennent la violence. Avec ces messieurs-là, il faut la violence. L'intimité que votre égoza là. Je suis sincèrement avec, je suis sincère avec vous. L'intimité que votre égoza là. Mais il faut pas qu'il y ait un homme. Tokiei, ou l'inga qui tokende, tokiei. Peuple l'inga qui tokende, tokiei. Bakoussou qui s'est bloqué. Il y aura un moment où il va bloquer. Il ne saura plus quoi faire. À quoi aucun problème. Mais en ce moment-là, qu'il va chercher des problèmes. Ben, le peuple va se soulever. Parce que trop, c'est trop avec ces messieurs. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup, monsieur Mbaye, Mbaye Monakebe, à partir de la suite. Monakebe, c'est tout à fait ça. Voilà. Personne de Konangaï. Oui. Merci. Boketchou, Prevé, Mbote. Et c'est sans rancune, comme on dit, et tout. Mais bon. Moi, je suis là. Et merci. Merci beaucoup et bonne soirée. J'étais ravi.